Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous sur YouTube. Nous qui parlons cette belle langue de manière et c'est incontournable pour comprendre ce qui se passe, savoir ce qui se passe quand ça se passe sans cachette et en doctrinement. Merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux, chers amis. Les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons, des rayons cosmiques galactiques, enfin, tous ces éléments-là font en sorte qu'on a des. Devant nous, au moins un 30 à 50 ans de température très froide. Très, très froide. Qui vont revenir d'hiver en hiver, de printemps en printemps, d'été en été. La température va baisser. Et même dans le prochain maximum solaire, on prévoit un cycle du soleil très, très faible. Donc ça s'annonce vraiment très difficile pour les prochaines années. Et c'est ce qui fait craindre le pire à plusieurs. Nonobstant ces faits-là, on arrive aussi à un niveau de pollution des plus saturés. au niveau du changement climatique, du grand minimum solaire, on peut rien y faire. c'est la nature, c'est les cycles naturels qui, euh, qui passent devant nous. quant à la pollution, on pourrait faire quelque chose et honnêtement, la découverte qui vient d'être faite va vous renverser il pleut du plastique des scientifiques détectent des fibres microplastiques sous la pluie ça nous provient de principia scientifique international et vraiment ça nous vient de brett walton et c'est vraiment révoltant, mais c'est vraiment inquiétant aussi. Lorsque Greg euh, Weatherby s'est assis devant un microscope récemment, il cherchait des fragments de métaux ou de charbon, particules qui pourraient indiquer la source de pollution par l'azote en suspension dans l'air dans le Parc national des montagnes rocheuses. Ce qui attira son attention, cependant, eh bien, ce furent les plastiques. Le chercheur de la US Geological Survey, avait recueilli des échantillons de pluie de huit sites situés le long de Front Range dans le Colorado. Les sites font partie d'un réseau national de surveillance des changements dans la composition chimique de la pluie. Six des sites sont situés dans le corridor urbain de Boulder à Denver. Les deux autres sont situés dans les montagnes plus élevées. Le réseau de surveillance a été conçu pour suivre les tendances de l'azote et Weatherby, un chimiste, souhaitait suivre le, tra le trajet de l'azote en suspension dans l'air déposé dans le parc national. La présence de métaux ou de matériaux organiques tels que des particules de charbon pourrait indiquer des sources d'azote rurales ou urbaines. Il a filtré les échantillons puis à un moment inspiré a placé les filtres au microscope pour examiner de plus près ce qui s'était accumulé. C'est beaucoup plus que ce qu'il pensait initialement. Ce fut un résultat inattendu déclaré Waterby à Circle of Blue, une observation et une découverte opportune. Dans 90% des échantillons Waterbury, a trouvé une roue en plastique arc-en-ciel, principalement des fibres et principalement de couleur bleue. Celles-ci auraient pu être jetées comme des miettes de vêtements synthétiques, mais il a également trouvé d'autres formes comme des perles et des éclats les plastiques étaient minuscules et nécessitaient un grossissement de 20 à 40 fois pour être visibles et n'étaient pas assez denses pour être pesées. Plus de fibres ont été trouvées dans ces sites urbains, mais des plastiques ont également été détectés dans des échantillons d'un site situé à une altitude de 10 300 pieds dans le parc national des montagnes rocheuses. Et les résultats sont détaillés dans un rapport publié en ligne le 14 mai. D'où viennent les fibres de plastique? Sont-elles sont 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 produites? localement ou transportés d'États ou de pays lointains. Comment affecte-t-il le poisson et les autres formes de vie aquatique après la précipitation des plastiques sous la pluie? Et combien de plastiques se retrouvent dans l'atmosphère? Austin Baldwin, co-auteur de l'étude, aimerait bien le savoir. Il y a plus de questions que de réponses à l'heure actuelle, a déclaré à Circle of Blue Baldwin, un hydrologue de la USGS qui étudie les microplastiques. La pollution plastique est omniprésente. Un malheureux résidu de la culture de consommation contemporaine. Les bouteilles, les sacs et les récipients jonchent les plages et les cours d'eau obstrués. Les oiseaux de mer et les baleines mangent des débris. Le restement ressemble à une poubelle. Ce sont les signes les plus visibles d'un problème encore plus profond, les conséquences des microplastiques. Comparablement aux grains de sel et aux poils humains, ce sont, sont moins bien comprises. Baldwin a déclaré qu'il y avait encore moins d'études à ce jour sur les microplastiques sous la pluie. Il a mentionné deux études de Paris et une des Pyrénées. C'est un peu excitant dans le sens d'une découverte scientifique, a-t-il déclaré. L'atmosphère est un système de recirculation puissant et infatigable de la pollution et de l'eau. La poussière transportée par le vent et la pluie des déserts du sud de l'Amérique tombe dans les montagnes rocheuses et provoque la fonte du manteau neigeux plus rapidement. Des émissions de mercure provenant de centrales thermiques aussi éloignées que la Chine ont été détectées dans les lacs alpins reculés du Parc national Olympique et du Parc national du Mont régnier où le produit chimique toxique est consommé par le poisson, même les composés PFAS, PAFA, PA euh, PFAS, pardon, les contaminants du jour permettent de faire du vélo aérien. Les autorités de réglementation du New Hampshire ont retracté la contamination des eaux souterraines près d'une installation de fabrication de Saint-Gobain jusqu'aux piles de soufflantes du site qui avait propulsé les produits chimiques dans l'air avant leur précipitation sur la terre ferme. Baldwin a présenté plusieurs théories sur la source des microplastiques au Colorado. Les fibres, les fibres suggèrent le résidu des vêtements, de vêtements synthétiques, suggère-t-il, vient de vêtements synthétiques. Les euh, sécheuses résidentielles pourraient libérer un flux de déchets dans l'air, a-t-il déclaré. Ou l'eau de lessive pourrait être une source aussi. Les fibres envoyées à une usine de traitement des eaux usées pourraient se retrouver dans les boues qui sont ensuite épandues sur les champs de la ferme à la recherche d'engrais. Lorsque les boues sèchent, les fibres peuvent être soulevées dans les airs. Une autre source possible pourrait être la lente dégradation des pneus de voitures. L'étape suivante consiste à estimer la masse de microplastique sous la pluie et à déterminer si le phénomène est manifeste dans d'autres régions. Wetterby a déclaré qu'une évaluation du dépôt de microplastique pendant la saison de neige dans les Rocheuses américaines du Montana et au Nouveau-Mexique est déjà en cours. Bien que les microplastiques individuels aient leur propre forme, taille et chimie, Baldwin ne pensait pas que les sites du Colorado étaient particulièrement uniques. Les fibres auraient pu être transportées sur une distance significative. Nous voyons des plastiques pratiquement partout où nous regardons, a-t-il estimé, a-t-il déclaré. Wow, vraiment inquiétant! Mais on est entouré de plastique. L'usure des pneus les vêtements qu'on fait sécher, qui sont souvent euh, synthétiques, l'eau de lessive, tous ces facteurs-là, vraiment quelque chose de spectaculaire qui vient d'être euh, découvert. On en avait un peu de données là-dessus, mais sûrement plus catastrophique que ce que l'on pensait.